Rebonjour à tous, bienvenue pour Bonjour. l'épisode 6. On va continuer à explorer notre magnifique caverne avec comme objectif de trouver du diamant. Puisqu'on est allé profond, très profond. Ah, un squelette. Mais il sort d'où celui-là? Ben, on n'a pas tout sécurisé encore. Alors je mange un petit peu. Donc je disais dans la vidéo précédente. Oula, c'est dangereux de passer par là. Dans la Ouais. vidéo précédente. On a trouvé des chemins pour descendre très profondément. On a trouvé des ravins comme celui-ci. J'ai sécurisé la zone parce que c'était assez dangereux de tomber là. Parce qu'en bas, il n'y a que de Ouais. la lave et de l'eau, donc bon. On a Mort fait assurée. une pause de 10 minutes depuis la vidéo précédente, entre la vidéo précédente et celle-ci. Et pendant les 10 minutes, Mimi, elle a pas vraiment fait de pause, elle a un petit peu sécurisé comme ça. Tiens, on a oublié du fer. Où ça? Ah oui. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, on va essayer de trouver du diamant, mais aussi de la redstone. La redstone, on en a déjà vu, donc on Du sait qu'il y en a. lapis pour faire du bleu. Du lapis lazuli. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre d'intéressant? De l'or. Et j'espère, une mine abandonnée. Donc Alors, ça voici c'est... la salle gigantesque sur laquelle on était tombé. Voilà. Et à partir de là, il y a beaucoup de couloirs possibles. Moi, j'ai sécurisé un petit peu la zone, mais pas en profondeur. Donc là, on va descendre d'un cran. On va arrêter de miner tout le charbon qu'on voit pour l'instant. Parce que cette vidéo est consacrée au À la fond de la découverte. map. Alors, on descend par là, c'est ça l'idée? Oh, moi j'étais pas descendu là. Bon, je te suis. On monte un peu pour mieux redescendre en fait. Attends, est-ce que c'était là? Ah non, là il y Parce avait que quand on arrêtait la vidéo précédente, on était déjà tout en bas. un On n'a qu'à trou. reprendre le même chemin. Je sais pas si je t'ai suivi là. C'est Ah, moi qui c'est te toi qui suis me là. suis finalement. Ok. Donc je tombe dans un embranchement. Voilà. Y a du charbon, ça descend. Y a du noir. Ah! Ah ah! Du lapis. Mon lapis. Vas-y, il est pour toi. C'est avec une pioche en fer, je crois. Une pioche normale, ça Ah, marche très bien. Une normal. pioche en pierre, ça marche. Et voici le fond de De notre tes ravin. pensées. Le fond de mes pensées. Ouais. Alors, on va jeter de l'eau Pendant ce temps-là, moi je ramasse l'or. pour protéger, pour supprimer cette lave. Parce que même si c'est super beau, ça éclaire. Tiens, il y a encore du lapis là-bas. J'arrive. Eh bien, la lave, c'est dangereux. Où est-ce qu'on est? Je me suis un peu éloigné du ravin finalement. Oh là, ben on est tout en bas du ravin. Ouais, Et si on je regarde vais en haut, je suis revenir. sûr qu'on trouvera notre Nos torches? notre torche, ouais. Bah oui. Mais j'entends une slime, je sais pas d'où elle sort. Je mine, je mine. Du lapis. Il est en hauteur, non? Oh, un petit peu, mais pas trop. Donc, je vais le prendre. Non! Vas-y, vas-y. Pourquoi non? Parce que j'adore le lapis. C'est parce que c'est des couleurs. Ouais. Il y a de la redstone. Ah. Moi, j'adore la redstone. Pour faire des mécanismes. Bah, qui est-ce qui me tire dessus là? Ben, d'après le son que j'entends, c'est probablement un squelette. Sale bête! Je suis presque morte. J'adore les ravins. Mais
Même si c'est tellement grand que c'est super difficile à explorer, j'adore les ravins. Ah, merde! Qu'est-ce que t'as fait? Un creeper, à mon avis. Ouais, j'ai vu une explosion au loin, mais alors... J'ai pas du tout vu arriver, lui. Mais t'es où? J'étais au fond du ravin. J'ai juste... Je suis en train de regarder son écran, là, en fait. Il faut que tu descendes au fond du ravin, et là où il y a de l'obsidienne, c'est là où je suis passé. Et dans le petit couloir à droite, là, où il y a encore des traces de lave que tu vois dans ton écran. Ouais, ouais, mais j'ai vu l'explosion. Donc, par là, en fait. T'as plus qu'à redescendre. Et prendre tes affaires? En fait, à la rigueur, non. Je vais les récupérer. Comme ça, il y aura pas de confusion. Mais je vais quand même me faire une épée. Bah, d'où il sort, moi, je sais très bien. Hein. Il sort des côtés des ravins. Oui, bah, comme c'est... Le ravin, il est immense. Il n'est pas encore sécurisé. C'est pas du tout étonnant. Mais je l'ai pas entendu, je l'ai pas vu venir. Rien du tout, quoi. Et moi, je pouvais rien te dire non plus, parce que j'étais occupé avec mon squelette. C'est pas grave, hein. C'est les risques du métier. Ouais, le métier de mineur. Heureusement, on est deux, comme ça, on peut se sauver, éventuellement. Pendant ce temps-là, moi, je pioche le redstone. Je pense que je peux y arriver par là aussi. Eh ben non, c'est une impasse. Tu tires trop ou t'as besoin de moi? Oh, je vais trouver, y a pas de souci. Bon, ça c'est une impasse. Tac. Ah, ça promet ce ravin. C'est plus par là que je vais y arriver, je pense. Ou pas. Il est perdu, il est perdu. Non, mais je sais pas où on est passé tout à l'heure, mais là j'ai envie de prendre un autre chemin. Eh ben non. C'est très dangereux et très noir. Bon. J'ai arrêté de faire l'imbécile, je vais aller chercher mes affaires. Oui, parce que tes affaires, elles vont disparaître. Bah si ça a pas changé, normalement j'ai un quart d'heure quand même. Trouver. Ah, il y a un squelette. Coincé dans l'eau. Ah, tu peux m'aider là, parce que alors là, je vais jamais pouvoir passer. Il doit déjà être abîmé, le squelette, ça doit être le mien. Il m'a tiré dessus et qui est tombé. Je vais casser le mur parce que là, je ne pourrai jamais passer à travers l'eau. Saleté. D'accord, là on tombe là. Normalement, j'ai pas dû perdre beaucoup d'affaires parce que il n'y a presque pas de lave. Presque plus de lave. Ah, j'ai oublié encore j'ai un J'ai des torches. J'ai mon épée en fer. J'ai mon arc. Le lapis. 68 minerais de fer. Donc tout va bien. Je récupère mes affaires. Le seau d'eau. Alors. Récupérer l'eau. Une pelle. Ok. Bon, et ben tout ça c'est très très bien. Je fais un peu de tri dans mes affaires. Voilà. Bon, est-ce qu'on va arriver à trouver du diamant? Hop, allez, je suis sur l'obsidienne en bas. J'ai encore du lapis. Soyons fous. Hop. Oh, creeper! Qu'est-ce que c'est que ça? D'affichage de la lumière. Ah oui. Ah, je vais essayer de faire tuer. Oh mince. T'es pas morte. Je vais encore décéder. C'est toi que je vois, non? C'est un squelette. C'est nous deux. Un squelette et moi. Oh bah t'es là toi. Oui oui bah je te voyais. J'ai vu ton squelette. Où? Bah c'est là que j'ai perdu mes affaires. Ah d'accord. Donc, t'es déjà arrivé là. Ouais j'ai récupéré mes affaires.
Bah, t'avais un creeper qui te suivait de près. Bah ouais, comme celui qui m'a tué. Heureusement que je t'ai encore sauvé. Merci. C'est pas pour rien qu'on est une équipe. Ouais. Ah, la redstone, elle se mine beaucoup plus rapidement qu'avant. Encore un squelette. Parce que ça, c'était super chiant. L'eau, elle est bien chiante là. Ouais, je suis d'accord. Encore des choses par là? Ouf. Ça se termine. Ok, donc ça c'est une impasse. Une toute petite impasse. Ça c'est rien. Est-ce qu'il y a encore des choses par là? Ah oui, de oui, la aïe, redstone. Aïe, un creeper qui vient d'apparaître. Moi, je suis toujours dans le même coin, là où j'avais perdu mes affaires. Ça, c'est dangereux. Bon, ça va, y a personne. Mais l'eau, elle va loin, en fait. Est-ce qu'il y a encore quelque chose par là? Quand il y a du gravier, c'est souvent qu'il y a des choses derrière. J'enlève l'eau parce que elle est assez embêtante. Ouais, t'as raison. Il n'y a pas grand chose de plus par ici, on dirait. Ok. Donc ça, c'est terminé. J'entends des bruits de T'as pris un creeper saut? qui arrivent. Non, non, j'ai pas de saut. Ah ouais, là, ils nous tombent dessus, hein. Mais je suis en haut, moi. Regarde. T'es où? Coucou. Ah, juste au-dessus de moi. Ouais. Il y a un creeper, là, sur la gauche. Tu le vois peut-être pas. En plus, il a l'air de bugger un peu. Où ça? Sur la paroi opposée du ravin. Ah oui, ben je l'avais à peu vu près tout à à ta l'heure. hauteur, mais il bouge verticalement d'une façon qui me laisse penser qu'il est en train de bugger, tu vois. Bah, il est pas là, parce qu'en fait... Ah si! Ah, ça ouais, y est! On le voit, mais il saute vers le haut, enfin, il bug. Ah oui. Mais on peut l'enlever facilement, cette eau-là. Bon bah comme ça je sécurise. Bon alors le bas est à peu près sécurisé pour cette partie là. Ah ouais mais c'est super grand. Trop. Eh hey, zombie. Il veut pas tomber. Ouais, c'est un peu stupide, j'ai perdu mes flèches. J'entends des crics comme ça, comme quand un creeper arrive. Enfin, le nouveau bruit d'un creeper, parce que je connaissais pas ce bruit avant. Voilà, des bruits de craquement d'allumettes en fait. Ah ouais? Donc il doit y avoir des creepers dans le coin, mais alors. Bon, j'ai vaincu ce petit zombie. Un autre, et de la redstone. C'est super dangereux de rester en bas comme ça, alors qu'il y a du noir juste au-dessus. C'est le danger du ravin. Un creeper, il se cache. Ah oui, non, mais il n'y a pas de creeper. Ouais. Bon, est-ce qu'on peut pas s'arranger pour qu'il crame?
c'était une impasse. Bon, bah, il est dans l'eau maintenant. Attention, t'as un creeper qui est descendu. Oui, dans l'eau. Où t'as récupéré tes affaires? Ah, mais je suis plus là. Ah bon, t'es où? Je suis en train de visiter l'autre moitié du ravin. Oh merde, c'est là. J'ai entendu un boom. Ouais, ouais, ça y est, c'est un creeper qui a explosé. Je te vois, tout je va vais. Bien. Je fais un pont pour accéder au côté opposé. Comme ça. Faut mettre des torches. Ah oui, je te vois. Sur le pont. Il y a un creeper en bas, oui, effectivement. Ouais, je l'ai vu. Ah! Fais gaffe. Qui m'attaque? Attention! Je voulais que le squelette, il tire sur le creeper. Il l'a touché, mais oh. Il l'a pas tué. Ah, t'as assisté à tout ça depuis là-haut? Ouais, j'ai regardé le spectacle, j'ai rien fait. Très bien. Très bien, très bien. Je suis pas encore allé voir par là. Ah, j'éclaire un petit peu quand même. Ouh là là. Il y a encore des choses là-bas. Il y a des choses au-dessus surtout. Est-ce qu'on arrive à trouver du diamant? Y a rien de plus pratique qu'un bon seau d'eau pour progresser dans ces conditions. Que de quoi? Un seau d'eau. Ah, pour progresser sur la lave. J'aime pas trop cet endroit. D'autres cavernes. Je trace, je trace. Oh là là, c'est trop grand. Allons revoir l'autre moitié du ravin. Oh, j'ai trouvé un donjon. Ah ah ah, t'es où?